Hello les amis, on se retrouve dans Watchdog 2 pour continuer l'histoire du Circe. Alors bon, la dernière fois on n'a pas vraiment beaucoup avancé, c'était tout de suite fini la section qu'on avait fait, il n'y avait pas grand chose à faire. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire cette fois-ci. Voilà, mais j'aime bien quand même collecter en même temps et pas collecter tout... d'un coup à la fin, parce qu'il faut quand même longtemps pour collecter tout. D'ailleurs, ici, il y a énormément dans le jeu. C'est vraiment beaucoup. Donc, on verra en collecte en même temps. Ah, Bagley, tu n'as pas idée des rumeurs qui circulent chez le commun des mortels. Qu'est-ce que vous faites? Je collecte des renseignements pour résister tout ça. Tant mieux alors, en piste. Tiens, c'est bizarre, je me rappelais pas que j'avais arrêté avec lui. Bon, enfin, c'est le cas, hein, apparemment. D'ailleurs, là, ils m'ont mis là, il y a un... Juste ici. Ça y est, il y a... Fichu manette, je voulais pas que tu frappes qui que ce soit. Alors je me retrouve avec une bataille que je voulais pas. Merci. C'est pas plus mal parce que je l'ai pas demandé la bataille en réalité. Et j'ai tout le temps, je crois que c'est ma lunette qui déconne. Hein. Camarade s'est malheureusement fait embarquer par Albion. À vous de jouer. Les vrais héros débarquent toujours à la fin. Allez, on y va. Alors, c'est où l'endroit où je dois aller? Ici, là où il y a la voiture. Plein de documents en plus ici. Alors on va peut-être d'abord faire les documents. Ils sont où? Ah mais c'est pas cohérent ça. Chaud, elle saute, donc comment on le lit? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc bizarre là? Je peux le lire avec le robot peut-être? Parce que comme ça... L'autre est où? Il est là.
Aiguille de Cléopâtre numéro 2. Opération Tombeur. Classification cryptage aux signaux. Rapport. Je demande ma réaffectation. Je n'ai plus d'excuses pour le rencontrer dans la maison de sa mère. Les Canadiens ont des soupçons. Les gars de l'ambassade sont formés au contre-espionnage et allés ou pas. Je crois qu'ils savent qu'on les a à l'œil. Et puis il y a la dimension éthique. Le choix s'est porté sur moi parce que je fais plus jeune que mon âge. J'ai l'air crédible aux camarades d'un homme de 17 ans. Mais je n'ai pas cet âge et la situation est de plus en plus inappropriée. Il semble avoir de réels sentiments pour moi et son obstination devient un obstacle. Pour parler clairement, j'aime bien ce gamin. Mais je ne partage pas ses sentiments. Les dispositifs sont en place. Ma réactivation ne devra pas perturber l'opération. Alors, comment faire pour avoir celui-là? Je vais essayer de faire comme ça peut-être. Ouais, ça marche. Aiguille Cléopâtre numéro 1, Verne, Pac Mackenzie Douglas. Toi, l'arbre étrange fougère à ma fenêtre, tes ondulations m'énervent, et en as-tu le maître? Où est-ce que le vent qui t'agite et étreint mon être? La lucarne nous maintient séparés, mais loin de ton feuillage que je rêve d'effleurer. De quel fruit tes branches fugaces se parent? À chaque heure, le rêve de moi s'empare. Je prie pour ne pas me tromper, mais tu t'agites comme pour m'enliver. Quand j'essaie d'escalader, tu t'arrêtes, et à travers cette vieille lucarne, je te guette. Je songe à ce que tu m'inspires. Éol, brise donc cette fenêtre à orée. Seigneur, je t'en prie, laisse-moi m'éclater. Ne te lève pas. J'ai besoin des données biométriques d'un agent des Sœurs, Iris ou empreinte digitale. Sérieusement? Tu veux pas les joyaux de la couronne aussi? Parle-moi fort. Les données étaient chiffrées. Et on a Bagley. Il peut pirater ça. Pas plus vite que moi et crois-moi, j'ai essayé. Le temps nous fait cruellement défaut, là. Écoutez, si vous ne m'aidez pas, Zero Day va gagner. Et nous allons tous mourir. Bon, ok. Donc on trouve les bons doigts et quick? Non. Des photos en haute résolution feront l'affaire. Le seul problème, c'est qu'on vise l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Et que les Sœurs feront sauter ses autorisations si on l'attaque. C'est le protocole. Du coup, il faudra s'y prendre à l'ancienne pour les avoir. Genre torture? Bon sang, non. En séduisant la cible. En s'approchant suffisamment d'elle pour la photographier discrètement. Ok, je m'en occupe. Cette partie du plan peut se révéler complexe. Il nous faut quelqu'un de solide. Bugs, tu veux bien m'aider? Je vous suggère de débuter votre relation avec l'intermédiaire Sœurs de l'Intérieur, comme avec n'importe qui d'autre, en décortiquant le profil de votre proie afin de mieux la traquer. Continue. L'intermédiaire Sœurs de l'Intérieur fait la liaison entre le gouvernement et les services de renseignement. Son bureau à Downing Street serait un bon endroit pour entamer votre relation. On sait ce qu'on doit faire alors. Allez. Alors, on va aller ici. L'intermédiaire Sœurs du ministère de l'Intérieur travaille ici, mais les caméras couvrent chacun de ses déplacements. Ah, mais son auxiliaire n'est pas loin. Commencez par là. Compris. Aïe, 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 il faut que la manette piconne. Pas m'aider, ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, flûte. Ils ont bien joué les deux en duo. Je l'avais déjà perdu lui. Eh ben dis donc. Votre camarade s'est malheureusement fait embarquer par Albion. À vous de jouer. Putain de mercenaire. Bon, on termine la mission. C'est lui. Blague ou quoi? Vous l'avez tué. Très bien, nouvelle donne. Hacker le Hub City OS. Je vais voir si je peux y trouver une trace de l'intermédiaire. Allez. Voilà.
J'essaye ailleurs. Oh, y allez tout seul. Oh. C'est bon. 16 conversations par email me portent à croire que notre intermédiaire de l'intérieur est une vraie dévergondée. Elle passe pas mal de temps aux Three Hawker Boys. Si vous voulez démarrer une relation avec elle, c'est un bon point de départ. Envoie les coordonnées sur ma carte. Voilà. Attention, présence d'un individu suspect à votre position. Reçu. On observe l'individu suspect. Centrale, on a perdu le visuel de la cible. À vous. Oh. Ma question c'est, est-ce que tu l'avais déjà suivi? Avec lui, j'arrive pas, quoi. Ce serait plus simple avec l'ouvrière, quoi. Là, on perd un temps fou à chercher comment monter, quoi. Pourquoi ils ont fait ce passage si finalement il sert à rien juste pour nous? Reçu, on colle à la cible. Négatif. Pas de visuel de la cible. Alors, bon, tant pis, on fera ça la prochaine fois de récupérer les objets. Parce qu'avec lui, c'est un peu compliqué à faire. Ah ouais, je l'ai eu tellement loin. Excellent. Bon. La cible n'est plus là. On se replie. Terminé. Alors, pas du tout le même endroit, c'est là-bas. Chute des marchés, fluctuation des cours, crypto-monnaie. Il y a ceux qui veulent spéculer pour accumuler et ceux qui veulent simplement mettre leur argent à l'abri. Depuis sa fondation en 1867, Lane Bank propose des solutions de prêt, d'épargne et d'hypothèque. C'est pour cette raison que nous tenons à la livre sterling. La vraie monnaie pour les vrais citoyens. Pour vous. Lane Bank. Vous pouvez compter sur nous. Ok, on est arrivé. C'est elle. Ah ah. Elle est en haut et là ils me font descendre. Et je me demande si j'aurais pris la fille, quoi j'aurais fait pour la séduire. C'est vraiment pas marche. Là, on peut descendre de beaucoup plus bas à chaque fois, mais c'est bizarre quand même.
Ah d'accord. Bon là on a affiché. Le Three Hacker Ball. Les garçons des trois. Ok. Pierre Fox, ça te dit de passer aux envois de catégorie supérieure. Waouh! Ton historique de livraison par Pierre Fox est impeccable. Je pense que tu as les épaules pour gérer les demandes top prioritaires qu'on reçoit des fois. Là, je t'en envoie une. Les frais de livraison pour ce genre de demande sont beaucoup plus élevés aussi. Je suis en train de consulter les détails de livraison, il n'y en a rien. Juste des points de récup et de dépôt. Pas de numéro de suivi, d'infos sur le colis, il n'y a même pas mon profil de coursier attribué. Exact, ce sont des livraisons pour les coursiers compétents et discrets. Tu vois ce que je veux dire ou tu veux que je l'attribue à quelqu'un d'autre. Okay. Compris, je sais être discret, j'ai le droit à la prime du risque. Si jamais j'ai affaire aux flics, va chier, petit Fennec, et préviens-moi quand c'est fait. Non, là, c'est une boisson, mais il y a quelque chose derrière le bar, non? Il y a... l'étau, non? Il est là. Je refuse de prendre part à ça. Ça t'a fait mal? Quand t'as rebondi sur les branches en tombant de... Attends, non, je me trompe d'histoire, je crois. Ouh, si c'est ça ta technique de drague, j'ai envie de te dire, me calcule pas. Allez, bisous. Désolé, mais on aurait dit que t'avais besoin de te changer les idées, alors... Ah, je suis de super bonne humeur, je te signale. Non mais super, quoi. Pour une fois que je suis dispo, je perds mon temps à repousser les avances d'un strum. Bon, bah, oublie, alors. Dans tes rêves. Les nuances des interactions humaines m'échappent encore un peu, mais à en croire mes analyses, vous n'êtes pas son genre. Oui, bah merci pour l'info. Arrêtez de chouiner. L'océan de l'amour est rempli de poissons et j'ai l'aquarium le plus fourni de toute la ville. On doit bien avoir un poisson baisable dans le tas. Continue. Essayez avec quelqu'un d'autre la prochaine fois. Pourquoi pas une femme? Ah, il fallait vraiment prendre une femme. Il y a combien j'ai là? Oh, 60. Je vais faire un des gros là. Voilà. Les autres là plus tard. Ah bah, il faut quand même que je change d'équipe. Essayez une femme. Allez, l'avocate, tu dois être douée. Une nouvelle recrue de choix dans les rangs. Bienvenue chez toi. Formidable! Je ne suis pas encore prête à partir à l'abattoir. Allons-y! Excellent. Là, il faut que je retrouve comment on rentre dedans. Là, c'est bon. Dites-moi, c'est bien avec vous que j'ai eu une touche sur Invite? Clairement, si c'est pas le cas, je fais buter leur PDG, quoi. Ce n'est pas nécessaire. J'ai dit cela pour lancer la conversation. Attention à ce que tu dis, quand même. Quelqu'un a failli mourir. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Bon, ça te dirait de continuer cette conversation dans un endroit un peu plus intime? Oh là là, je savais pas que tu pouvais faire ça. Tu me caches d'autres secrets encore?
Oh, ils sont nombreux, croyez-moi, très nombreux. Avec la vie de... Ah, d'accord. Bon, c'est un jeu, hein. Ils ont pas prévu de... Bon, après tout cela, avez-vous récupéré les données biométriques? En effet. Je n'avais pas vu ce genre de données biométriques depuis les années 80. Beau boulot, très beau boulot. Et maintenant? Il va peut-être falloir faire encore illusion quelque temps. Le chargement se poursuit et l'officier de liaison est en train de nous appeler. Je vais lui parler. Bon, va falloir arrêter de mytho maintenant. T'es qui, sérieux? Tu bosses pour les Russes? Les Chinois? Les Amerlocs? Mais non, je ne suis que la personne qui donne les ordres, je vous rappelle. Oh, la ferme! Transfert terminé. J'ai Malik en ligne. Je suis certain qu'il sera parfaitement courtois avec vous. Ça devrait faire l'affaire. Rejoins-moi à l'abbaye de Westminster, qu'on discute des résultats. Ah, au fait, j'en attendais pas autant de ta part. Était-ce censé être un compliment? Il s'est déconnecté. Bon, allez vous faire voir. Allez, trouvez-moi cette conne! Ok, on a fini. Drone, commence la recherche. Bon, on va compléter un peu. Et je peux toujours pas récupérer mon personnage que je voudrais récupérer. Ok, on attend. Alors, tiens, c'est une zone qui est pas autant remplie que... Alors, premier à récupérer qui se promène, c'est celui-là. Hein, elle m'agace par moi, elle me déconne complètement, elle me change la vie. On sait qu'on veut se trouver. Oh, j'ai cassé la grosse voiture. Tant pis. Alors. Et voilà, les tours récupérées. Vous avez... Quiconque n'osera d'obéir aux ordres d'Albion sera arrêté. Alors ensuite... Ah bah j'ai toujours pas récupéré, en fait c'est un autre ça. Fait celui-là de récupérer. Ensuite, alors d'ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ouais, il y a beaucoup de... On va commencer par ça. Ah oui, il était effectivement visible. Bon, bah finalement, on va faire ça d'abord.
Et on va monter après. À moins que ça va être trop compliqué à atteindre. Ah parce que là pour les faire il faut l'autre personnage quoi. Elle est dispo ou pas? Pas encore hein. Bon bah finalement on va quand même à l'autre endroit. Après je pense qu'elle sera dispo. Donc on va récupérer une fois tout ça. C'est pourquoi c'est à l'étage dans les yeux. Ils ont commencé à me tirer dessus. J'étais à main nue. Bon, c'est pas grave, je peux récupérer mon personnage maintenant. Bon, votre camarade n'a pas pu finir son opération et devra sans doute en subir une. Il y en a qui aiment prendre des risques ici, on dirait. C'est là où il y a... Je vais d'abord les éliminer. Bon, l'audio, il devrait être ici. Ils sont entraînés, tu comprends? C'est pas comme les gens. Les gens, eux, ils sont paresseux. Ils font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils profitent de la moindre occasion si on leur tourne le dos.
Des enfoirés égoïstes. Voilà ce qu'ils sont. Mais les Klebs, ils obéissent aux ordres. Ils n'ont pas d'idée derrière la tête. Ils sont loyaux, jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est trop demandé pour les gens, tu comprends? Dans toute cette merde, cette fange, il n'y a qu'au Klebs à qui on peut faire confiance. Enfin. Ok, donc pour la suite, ce serait encore une fois plus haut. Là, on monte pas. Hein. C'est vraiment là le bug. Je vois pas comment on monte. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur. Ah, c'est passé haut. Hein. Bizarre comme pièce ici. C'est toujours à l'intérieur. Alors on va vérifier si c'est vraiment balcon. Ok. Maintenant on va s'occuper des deux caisses et de l'étau. Ah, c'est la tech. Hein. Tech hein. Les étaux c'est des genres de monnaie. Je mélange tout le temps les deux. Hein. Oh, pour une fois, il y a une caisse qui est facile à avoir. Ils sont pas toujours simples. Hé, on dirait un autre de ces trucs. Ouais, un autre, mais pas suffisant. Hein. Il en manque encore. Alors, la tech ou l'autre d'abord? Ah, bouge! Là-dessus, elle a du mal à bouger. Hein. Et là, elle veut pas sauter. Je récupère avec ça et puis c'est tout. Voilà, comme ça, c'est bon. Allez, la caisse. Là aussi, elle est simple à récupérer. Ok, bah tant mieux, hein, plus vite ça va. Il y a assez de choses à récupérer. Hein. Alors, chaussures à plateforme. Si le disco est originaire d'Europe, il n'a jamais connu la même popularité au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. La fièvre du disco britannique est restée modérée du début à la moitié des années 70. Cette chaussure date de cette époque. Dans les années 70, les principaux mouvements de contre-culture du Royaume-Uni étaient en déclin. Mais leur style perdura, ce qu'ils considéraient comme cool. Lors d'une décennie, il est presque toujours absorbé, digéré et reproduit lors de la suivante. Peut-être est-ce simplement une chaussure cool. Ah, t'es intéressant. Ah ouais. Ok, alors. Ici, on a un étau là.
Et puis là, il y a deux techs en même temps. On va peut-être y aller. Ouais, on va aller vers là-bas après. Je pense qu'on aura encore le temps. Alors, d'abord cet étau qui est ici, solitaire, tout seul, hein, dans la cité de Londres. Il devrait apparaître là. J'arrive pas à le voir, il a. Voilà, c'est bon. Donc on va aller en haut. C'est un peu loin par contre. Hein. On dirait qu'il y a une zone là qui est déjà pas mal faite. Alors elle est à l'intérieur la caisse. On dirait. Où elle est lente. À ce niveau-là. Oh celle-là, ça semble compliqué à récupérer. Qui de droit. Je... Ah, et merde, ça le fait pas, non. Bon, faut que je parle normalement. Vous savez qui je suis, et je veux vous aider. J'ai repéré une jeune fille super intelligente. Elle vient à la messe des fois, avec sa famille. Elle s'appelle... Emily Colbert. Dimanche dernier, je l'ai vue à l'obélisque. Je sais pas comment elle est arrivée là, mais elle s'est foutue de moi quand je lui ai demandé de partir. Elle a du potentiel. Retrouvez-la, d'être... enfin, vous voyez quoi. Alors là, je me demande. Il y a un truc qui me permet de rentrer. Ça n'a pas l'air simple du tout. Ouais, là, la caisse, elle semble compliquée à récupérer. Ah ouais, c'est très très curieux. Je voulais la récupérer, mais je comprends pas où est l'entrée. Ça, c'est... Mais elle est là-dessus. Ah, je l'avais pas vue. Elle est juste là. C'est censé être quoi, ce machin? Quelque chose que j'avais pas encore récupéré. Allez, va là-bas. Suivant. J'ai entendu quelque chose par là. Ils ont plein de choses en même temps, on voit plus rien.
Tellement ils ont de... Bon, les taux, les codes simples à récupérer. La tech, pardon. C'est une tech. La technologie. Alors, le document, il est plutôt en bas, bah, disons. D'accord, je le vois. Ouvert bientôt, nouveau propriétaire. Inspire Tower, les tours inspire. Quelque chose ne tourne pas rond, c'est la troisième disparition du locataire en deux mois. J'ai prévenu la police, elle refuse de me croire, elle ne fait rien. J'ai vu des types du clan Kelly rôder autour du bâtiment et sortir de l'appartement en terrasse. Est-ce qu'il y a un lien? Merde, je ferais mieux de tenir ma langue, alors je devrais même pas écrire ça. Bon. Alors la tech, elle est à l'intérieur la tech ou quoi? Ouais, elle est à l'intérieur. Attends, un instant. Ferais mieux de te rendre avant que je m'énerve. D'accord, il y a tout qui est à l'intérieur en gros. La traite plus d'idiote. Hein. Bon. D'accord. C'est lui qui me permet d'ouvrir. Ça c'est fait. Maintenant où est mon ange? Stop. Tout refus de tempérer entraînera un recours à la force. Ça c'est quoi ce bruit? Rends-toi. Qu'est-ce que vite? Tech qui se promène tout seul ici. Elle se promène tout seul, tout d'un coup il y a des documents et tout qui apparaissent. On se demande hein. C'est plus haut encore. Oh. Ouais, mais t'arrives à traverser.
Ah mais... Comment il veut qu'on va là-haut? Donc le document est bien là-haut. Et forcément l'autre point aussi, mais... Ouais, le document, je peux pas le lire, faut monter. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a... Mais c'est un document ici. Fusili, tour Fusili numéro 2, mode dicté activé, 21 janvier, observation, 9-5, appart, droite, jeune homme, environ 25 ans, sport, 6h à 7h, douche pendant 23 minutes. 11e, 3e, appart, gauche, homme, environ 35 ans, retard au travail, à sauter le petit-déj. 15e, 3e, appartement, droite, jeune fille, 15 ans, étudie dans sa chambre pendant 2h, 14 à 16h, avec écouteurs, déjeune, une pomme et des cornichons. 7e, 2e appart gauche, femme environ 45 ans, rentrée à 22h, a pris son bain à 56 minutes, au lit à 1h. Appart, terrasse, femme mûre, 60 ans, fume sur le balcon, au téléphone, elle, oh merde, elle m'a vu, mais elle n'a pas l'air surprise, peut-être qu'elle aime ça, et oh mon dieu, elle a pris un fusil et va quand même pas. Mode dicté interrompu. Bon. J'appuie en haut, mais il veut pas aller plus haut, donc voilà quoi. Je veux bien récupérer le document, mais j'arrive pas à aller plus haut. Donc celui-là, pour l'instant, je vais le laisser. Je sais pas trop comment on fait pour l'avoir. Il y a ça. Ah, il est là-dedans. Mais si, c'est ça. Ah, d'abord, j'ai cru que c'était une caméra. Ah là là. Non, il dit c'est plus bas. Ah, plus bas, mais entre. Ok. Donc là, il y a une tech et un audio. Le jackpot à tous les coups. Vous nous prenez pour des cons. Vous êtes de dead sec, pas vrai? Dead sec? Mais non, je vous jure, c'était juste un petit piratage. Un petit piratage? Pour qui tu me prends? Je vous en prie. Vous savez ce qu'on fait aux membres de dead sec, nous? On en fait un putain d'exemple. Jonah! Non! Jonah! Non! Jonah! Va te plaindre à tes copains de dead sec, ma jolie. Tu leur expliqueras qu'il faut pas venir nous faire chier.
Alors là, on a une tech et un masque. C'est quoi ça? Alors le masque, il est encore plus haut. Mais alors il était en hauteur. Oh, je le vois pas. Ah, ils l'ont foutu là derrière. Ok, mais c'est un miroir, ça. Ok, ça c'est bon. Un peu de geste hein, pour faire ça vite fait. Hein. On va quand même le faire, je pense. Il s'agit de quoi exactement? Neutraliser de VIP. Allez hop. Le VIP, hein, on va le neutraliser. C'est le dernier truc qu'on va faire pendant cette session. Le reste, ce sera la prochaine fois. Enfin, la suite. Hein. Parce que là, pour le moment, on a encore un bout de temps à faire. Quoi qu'on doit être à peu près à 50% du jeu. La dernière fois, je me rappelle, il y avait marqué 48% dans les stats. Mais j'ai l'impression que les stats, ils évoluent seulement quand on a fini une partie de l'histoire. Donc, tant que j'ai pas fini le Circe, ils augmentent pas le pourcentage. Voilà, après les collectes, c'est peut-être qu'il faut avoir tout collecté pour que ça augmente. Allez savoir. C'est bon, j'en ai marre là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est du ça en plus. Je rentre, il y a quoi? C'est une informatrice d'avion très haut placée. Autrement dit, et excusez mon langage, une saloperie de cafardeuse. Si les Londoniens apprécient une chose, c'est que des vermines dans son genre aient le sort qu'elle mérite. Génial, merci. Donc il y a deux choses que j'aimerais avoir, donc ça, l'autre est juste là en face.
Et le dernier serait plus bas. Ok, alors il faut descendre. Descendre en bas. Ok, bah ça c'était vite fait, hein, de... Voilà, le dernier est plus compliqué. On avait déjà essayé de l'avoir. Et celui-là, pourquoi je ne l'ai pas pris? Non, ça, c'est pas ça où je devais monter. Allez, on récupère ça, on s'arrête. Faut savoir s'arrêter des fois, hein, même si bon, hein, quand c'est fait, je suis content. J'aime bien finir complet, même si bon, ça prend beaucoup de temps à collecter les choses. Si on ne collecte pas, c'est pas fini, quoi. Voilà, on peut voir encore, on s'arrête là pour la collecte et on peut voir la texte si on peut faire quelque chose ou pas d'intéressant. On a 85, donc autant faire les ceux-là qui coûtent cher. Pirater un drone anti-terroriste pour qu'il combatte avec ses alliés 60 et 45. Bon, ben on va quand même faire celui-là. Parce que comme ça, ça fait le gros tout de suite de fait. Et lui, il voulait 45, mais bon. Le flingue, à la limite. Que je l'utilise pas vraiment. Voilà, donc ça fera ça de fait. Le reste, la prochaine fois. Bon, ça avance de toute manière assez bien. On est en train de les compléter. Voilà, bon, l'équipe, je sais pas pourquoi elle est verte, j'ai rien rajouté à personne. Par contre, il est toujours comme si... Lui va garder ses trucs. Hein. Je vois que quelqu'un a aussi un peu les autres trucs que ils mettent par défaut toujours celui-là. Ce sera bien que il y en a qui ont un peu autre chose. C'est jamais, hein. Voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà, bon, on arrête ici. On reprendra la prochaine fois le face à Zero Day. Allez, bye bye les amis.